Ils sont 60 lauréats issus de la 11e promotion des sciences biomédicales et médico-sanitaires de la Faculté des sciences, désormais sur le marché de l'emploi. Ils reçoivent leur diplôme de fin de formation après 3 années de du labeur à l'Amphi 750 de l'Université de Gaoundéré. La cérémonie Grandeur Nature est présidée par le secrétaire général de l'université, Victor Emmanuel Bokali, sous l'égide de la doyenne de la Faculté des sciences, Hélène Carole Edima, et la présidente nationale de l'Ordre des professions médico-sanitaires du Cameroun, Belinga Aminatou Abdoulaye. Et nous mettons donc sur le terrain des professionnels qualifiés. Vous-même, vous avez suivi, n'est-ce pas, les assurances données, n'est-ce pas, par les formateurs. Quand on est bien formé, nous ne devions pas chômer. Les étudiants des sciences biomédicales et médico-sanitaires ayant effectué 3 années de formation se disent pétris d'expérience, très outillés et compétitifs sur le marché de l'emploi. Ils s'engagent à travers le CEMON, remplir leurs devoirs, respecter l'éthique et la déontologie avec loyauté et intégrité. Nous allons faire de notre mieux pour soigner tout le monde. Nous allons tenir l'engagement que nous avons porté devant Dieu et toute cette assemblée. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de sortir avec un diplôme de licence en sciences infinies. Cette cuvée reçoit des cours théoriques et pratiques dans 3 domaines, entre autres sciences biomédicales, radiologie et imagerie médicale et sciences infirmières.